Salut tout le monde, c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour faire la présentation d'une nouvelle playlist. Donc une playlist où je vais proposer des jeux que j'avais adoré mais que j'avais fait avant d'avoir ma chaîne. Donc je vais vous proposer en général je comptais vous proposer en gros les fins de jeu. Mais là pour le coup Tomb Raider, tout simplement je l'ai fini à 100%. Et j'ai remarqué qu'on pouvait pas, qu'on pouvait tout simplement pas reprendre la dernière mission quand on est sur la map. C'est pas comme d'autres jeux où quand vous avez fini, vous avez les crédits de ces compagnies qui passent. Après vous retournez sur la map et vous pouvez refaire la dernière mission, mais non, là on pouvait pas, là c'est vraiment tout bloqué. Et donc voilà, donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter le jeu en faisant tout simplement une nouvelle partie. Donc on va se faire juste le début. Et comme ça vous allez pouvoir voir, pour ceux qui ne connaissent pas, à quel point ce jeu pouvait être bien. Je crois qu'il a... Il doit avoir entre un an et demi, deux ans ce jeu. Aujourd'hui il a été refait sur les next gen. Donc sur PS4 j'en suis sûr, sur Xbox j'en sais rien, sur PC non plus. En tout cas il est sur PS4, c'est sûr. Et franchement vu la qualité sur PS3, sur PS4 ça doit franchement déboîter. Donc je vous montre déjà ça sur Play 3, vous allez voir s'il y a franchement de quoi se régaler avec un jeu comme ça. Et sur PS3 il coûte que 20€ je crois, donc c'est plutôt pas mal. Allez c'est parti. On va faire une nouvelle partie. Pff, ça change rien vu qu'on va pas trop jouer. Voilà. Un célèbre explorateur a dit un jour, les choses extraordinaires dépendent de nos actes. Pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Venez de le voir, c'est Lara.
Allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer juste le tout début, hein. On va pas s'attarder après trop dessus. Aidez-moi ! T'arrêtes de crier, oui ? Espèce de fou. Il faut que je me libère. Ah. Je peux pas mourir comme ça. Donc, comment on peut faire déjà ? Ça va faire mal. Juste que je me brûle un petit peu. Là. Génial. Toujours plus. Génial, en plus c'est moi qui dois le retirer. Là, comme vous pouvez le remarquer, franchement, ce jeu il est plutôt bien fait, même très bien fait. Oh mon dieu. Un jeu qui a facile 2 ans. Et qui est sur Play 3. Il y a des jeux qui sortent encore aujourd'hui et qui sont moins bien faits sur Play 3. Faut le dire quand même, je suis sûr que... Comment ça s'appelle, Watch Dogs sur Play 3, je dis bien sur Play 3, sur Play 4 c'est des boîtes, y'a rien à dire. Mais sur Play 3, je crois bien qu'il est moins bien fait que celui-ci. Et celui-là ne coûte que 20€ donc, c'est tout bénef. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais pas trop rester dans ce gameplay. On va aller, vu que je vais vous faire découvrir le jeu. Je vais directement vous emmener dans ma partie à 100%. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire à peu près dans le jeu. On va le faire tout de suite. Comme ça, vous n'aurez aucun spoil pour ceux qui connaissent pas le jeu. Et pour ceux qui veulent juste voir... Eh ben, ce sera juste pour voir. Alors, attendez. Là. Il n'y a pas moyen de... Non, se changer d'emplacement de sauvegarde. On va faire comme ça. Et il y a franchement... beaucoup de choses à faire dans le jeu. Il est, je trouve, excellent. Moi, je sais que j'ai pris un énorme plaisir à le finir à 100%. C'est pas souvent que je finis un jeu à 100%, mais celui-ci, je peux vous assurer que j'en ai eu vraiment envie de le finir. Et d'avoir ce putain de trophée qui dit « Vous avez terminé le jeu à 100%. » Ça, c'est trop bon. Donc voilà, on se retrouve dans le jeu. Mais... fini à 100%. Donc déjà, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est un feu de camp, c'est tout simplement c'est un espèce de point de sauvegarde, on va dire. Vous pouvez faire plusieurs choses, genre voilà, comme là, augmenter les compétences. Donc vous avez plusieurs compétences, hein. Là par exemple, survivant. Bon, après chaque compétence a un certain, une certaine, je sais pas comment dire. Vous avez quoi? Donc là, c'est toute la map. Mince, je me suis gouré le bouton. Donc voilà, là vous avez toute la map. Elle est franchement vraiment très vaste. Vous allez mettre pas mal de temps à finir le jeu si vous l'avez pas fait. Je sais. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment immense. Et je peux vous assurer qu'il y a certaines maps qui sont vraiment très très longues à finir. Donc vous avez des points rapides aussi, vous voyez là les petits points de camp que je passe. En fait ça c'est parce que quand vous êtes à un feu de camp, vous pouvez vous téléporter d'une map à une autre. Et après tous les petits trucs que vous voyez à côté, par exemple la bidonville 100% terminée, le camp, les documents, c'est tout ce que vous devez trouver sur chacune des maps pour finir le jeu à 100%. En plus de l'histoire qui va avec. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Donc niveau équipement, il y a... il y a franchement des trucs plutôt pas mal. Donc les arcs, déjà l'arc, bon ça c'est normal, hein. Mais comme vous pouvez voir, il y a plein de choses. Flèche grappin, flèche incendiaire, flèche napalm, flèche explosif. Après bon, c'est des trucs pour renforcer l'arc. Mais franchement, il y a de quoi faire. Après vous avez des fusils à pompe, voilà, fusils, pistolets. Et l'équipement, ça c'est le... ce truc de pionnier, ou je sais plus comment on appelle ça, comme pour s'accrocher sur des surfaces. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le jeu? Ben on peut chasser. Il y a souvent des sangliers, des poules,
Même des mouettes ou des choses dans le genre. Attendez, si je vois une mouette là. Vous pouvez les tuer et ensuite il faut aller tout simplement sur la cadavre pour récupérer des... Comment ils appellent ça déjà? Des matériaux. Quoique non, sur les animaux c'est pas des matériaux je crois. Je crois que c'est des tout simplement des aliments ou quelque chose dans le genre. Je suis pas sûr. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au niveau des missions? Franchement, il y a des choses qui sont hallucinantes. Déjà comme vous pouvez le voir, le paysage, franchement. Sur certaines maps, il est magnifique. Déjà là, là c'est plutôt pas mal, mais c'est franchement vraiment très moyen comparé à certaines maps. Je me rappelle plus du tout des maps, hein. Ça fait un an que j'y ai pas joué. On va aller voir juste au cas où. Voyage rapide là. Une belle map. Où c'est qu'il y a une belle map? Dans celle-là, on peut chasser, je sais pas si on va y aller. On verra. Temple de montagne, village. Il y a une map qui est super grande et qui est plutôt pas mal. Faudrait que je la retrouve par contre. Les catacombes, c'est pas joli du tout. Pavillon de chasse, je sais plus. Ça c'est quand tu arrives, j'y suis. Recherche, c'est pas beau. La salle secrète, je m'en rappelle plus. Passage secret non plus. Bon, vous savez quoi, on va aller ici. Comme ça vous allez pouvoir voir un peu le début du jeu. Car normalement je crois que c'est le premier endroit dans lequel on arrive. Voilà, quand on commence le jeu, normalement on arrive d'ici, hein. Mais bon, ça vous le verrez si vous l'achetez ou si vous l'avez déjà fait. Hop. On va prendre des flèches. Au niveau des les bruits des armes, je crois que j'ai jamais vu un jeu aussi réaliste au niveau des bruits des armes aussi. C'est le jeu qui s'y rapproche plus. Ah, regardez. Quand je vous disais qu'il y avait pas mal de trucs. Par contre, elle court dans tous les sens. C'est super dur à choper ce truc. Que... Le but c'est de leur faire peur. Là c'est bon. Mon sang qui bougeait plus. Et arriver devant tout simplement. Hop. Il faut voir ce qu'on récupère. Des matériaux aussi, j'avais raison. Là je crois qu'il y a un lapin. Donc voilà, vous avez pas mal de trucs à faire au niveau de la chasse. Ensuite bien sûr il y a les ennemis à éliminer aussi. Alors niveau arme, on va en essayer une pour voir. Ça c'est la K. Alors écoutez le bruit, écoutez le bien, franchement il est excellent. Alors attendez, je vais essayer de revenir devant la biche. Franchement ce bruit il est magnifique. Quand je vois dans le jeu, voilà, le Watch Dogs par exemple, il vient juste de sortir. C'est un des jeux qui a été... enfin, c'est le jeu qui était attendu et compagnie par rapport à son réalisme et compagnie, sa beauté de jeu. Le bruit des armes, il est dégueulasse. Vous prenez ce jeu. Il y a la résonance, il y a un bon bruit. Je sais pas, c'est tout simplement bien fait, quoi. Je me rappelle, je crois, le fusil à pompe, il fait un bordel, mais monumental. Pas une biche, un petit animal, on s'en branle au pire? Non, on s'en branle. Voilà quoi, c'est un truc qui envoie du lourd. J'en ai qu'un fusil à pompe? Non, j'en ai deux. Et je le vois pas changer. Ah non, c'est que je change pas, c'est que je change le... Ça, après, c'est l'arc, voilà, on peut faire du feu ou non. Et il y a le grappin aussi. Là, c'est pour faire le grappin. Et comment j'avais fait? Ah, du feu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? AK. AK silencieux. Et le petit flingue. Enfin, petit flingue. Un bon gros magnum. Après vous avez pas tout le temps les mêmes armes parce qu'en fait au début du jeu
vous avez, on va dire, des armes un peu nulles à chier. Et au fil du temps, vous allez tout simplement les améliorer et vous allez vous trimballer avec un gros magnum comme celui-ci. T'es où le pimpin ? Touché. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. C'était juste pour vous présenter le jeu parce qu'il est plutôt pas mal. Moi j'aurais bien aimé vous donner en fait la fin du jeu. Ce que je voulais faire, c'est vous faire une petite liste avec une fin de jeu. Bon, voilà, je vous mettrai quand même dedans. Mais ce sera tout simplement une présentation de jeu au final. Parce que je vais pas m'amuser à refaire tout le jeu en entier juste pour faire à la fin. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter ce jeu parce qu'il, comme vous pouvez le voir, voilà, hein, pour ceux qui le connaissent pas, il est franchement génial. Donc pour cette playlist d'ailleurs, je vais vous parler un peu des jeux que je compte faire. Donc je vais voir pour essayer de faire déjà Kingdom Hearts. Alors peut-être le 1 et le 2, le 2 sûr. Mais faut voir si je peux refaire la dernière mission d'abord. Si c'est comme ce jeu-ci, je pourrais pas tout simplement. Je vous mettrai dans Kingdom Hearts par contre, je vous mettrai à coup sûr la cinématique du début parce qu'elle est franchement magnifique et je l'adore. Donc voilà, je compte vous faire du Kingdom Hearts. Je vais sûrement vous faire aussi Final Fantasy 13-2, la fin du 13-2. Ou peut-être aussi la cinématique du début, je vais voir. Et donc voilà. Maintenant vous savez à peu près ce que je vais vous faire, je verrai pour la suite. Donc je vais continuer aussi les let's play bien sûr, finir Watch Dogs et finir juste après Outlast. Donc moi je vous laisse sur ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.